On se retrouve pour le troisième épisode de Soul River. Du coup, merde, aujourd'hui on va aller. On va aller dans le repère de l'histoire des clans, retrouver quelqu'un. Donc ce n'est pas un frère de Raziel, c'est un autre. On récupérera avec son chemin, on a des trucs. Et puis on ira je vais faire entrer les glyphes. Il fait tout pire, il sera invisible. On ira un autre père du frère de Raziel. On ira jusqu'à la téléporte. Franchement, si on récupère des trucs. Vraiment, solution pour bien caler. Soit je fais en petit écran. J'essaie de trouver un bon truc. Et après vous. Voilà. Je mets un fond d'écran d'arrière. Pour éviter que vous voyez les bouts noirs. Sauf que j'essaie de faire grand écran. Et puis je me rajoute quand même un petit écran. Du coup, là il y a une porte. Il faut retourner. Ah merde. J'ai oublié. Et là on va tenir quelque chose de très intéressant. Son. Ce que j'ai fait, je peux le défaire, fils. Ils ont monté le boulot. Maudit sois-tu, Kane. Tu n'es pas un dieu. Ce génocide est impardonnable. Conscience. C'est toi qui me parles de conscience. Un temps d'avoir pesé la gravité de tes choix avant d'avoir l'audace de porter un jugement sur moi.
Ta vie n'est qu'une étincelle comparée à la quantité de progrès et de doutes que j'ai pu accumuler depuis que Mortanus, pour la première fois, me détourna de la lumière. Le destin du monde dépend de la sagesse du moindre de mes gestes. Sais-tu ce que tu ferais, toi, si tu étais à ma place? Je choisirais l'intégrité, Kay. Un peu autour de toi, Raziel. Contemple ce qui reste de notre empire. Notre ère tire à sa fin. Les clans sont disséminés à travers le Scott. Cet endroit a fait son temps. Tout comme toi. La Soul River. L'épée de Kane depuis la nuit des temps. Plus ancienne et plus dangereuse que nous tous réunis. Selon la légende, elle est possédée et se nourrit des âmes de ses victimes. Oula. Pour nous tous, voir Kane tirer sa précieuse épée de son fourreau signifiait une seule chose. La mort. Je sais pas. Voilà, le premier coup. Mon dieu, il est très sifflé. Tu vas mourir, Raziel. Oh mince, l'épée est cassée. Mon épée est vaincue. Nous sommes un peu plus proches du jugement final. Sous le réveil dans son spectral. Il m'avait semblé apercevoir une lueur de plaisir dans l'œil de Kane à l'instant où il vit son épée se désintégrer. Décidément, je ne comprenais pas son jeu. Mais je savais ce qu'il me restait à faire. Désormais, le destin de cette épée est lié au tien pour toujours. Vous ne faites plus qu'un. En détruisant cette épée, tu l'as libérée de sa prison physique. Elle a repris sa véritable forme, celle d'une âme spirituelle. Elle n'a plus d'existence réelle. Elle n'apparaîtra que dans la sphère matérielle lorsque tu seras en pleine possession de tes forces. Lorsqu'elle est apparente, elle te fournit de l'énergie. Stylé ton épée. Voilà, maintenant on la gardera tout le temps. Qui es-tu? Un serviteur de Kane venu solliciter un spectre solitaire? Excusez-moi d'avoir troublé votre repos. Mon repos? Ne faut-il pas être fait de chair et d'eau pour aspirer au repos? Non, cher enfant. Mon existence n'est que souvenir et réminiscence. Conscience désespérée du monde, de son histoire et de ses insanités. Passé impalpable, futur improbable, s'agit-il d'une seule et même entité? Suis-je ici pour l'éternité? Pourquoi hantez-vous ces colonnes? Kane a refusé de faire ce sacrifice. Les colonnes, pourries jusque dans leurs racines, symbolisent son ambition aveugle. Ce lieu n'est plus aujourd'hui qu'une prison. Ma demeure éternelle, à cause de l'avarice de ton maître, Kane. Ce misérable n'est plus mon maître. Nous avons donc un ennemi commun, Raziel. Reviens si tu as besoin de moi. Ariel se souvient de ce que les autres oublient. Alors,
Que la paix soit avec toi en ces lieux. Merci. Alors, problème de cette épée, j'expliquerai après la cinétique. Dans les montagnes de l'Orient lointain se tient un titan. Ils sont piqués dans le décor. Il lutte contre les parasites qui l'assaillent. Bon. Problème de cette épée, la Soul Reaver. Donc on trouvait qu'elle a le même nom que le G. Les gens nous disent qu'elle a la Soul Reaver. Alors, il y a un mur ici avec le signe de Dumas. Mais on peut pas l'escalader tout de suite, il faudra attendre un autre pouvoir. Donc, on peut taper carré. Donc voilà, on se met en place. Donc, le problème, c'est que dans la sphère spectrale, on l'aura tout le temps. Dans la sphère matérielle, on cherche, voilà. Bien sûr, il y a une couleur différente. Dans la sphère matérielle, elle est bleue. Et si on se fait toucher par un ennemi, on perd la Soul Reaver. Alors, pour la récupérer, il va falloir tuer des ennemis et récupérer. C'est un peu bête parce qu'on perd la Soul Reaver. Là, le truc bête, c'est qu'il fallait ouvrir la Soul Reaver, ouvrir la porte avec la Soul Reaver et repasser dans la sphère spectrale. Ce sera un petit épisode. C'est vrai que pour la glyphe et le morceau de carrière, j'aurais pu attendre l'épisode 3 pour le faire. Bon, je vous préviens dans le 2. On va récupérer dans le 1 plein de glyphes, tout ça. Et dans le 2, ça sera juste pour améliorer. On aura des endroits pour améliorer la soleil. Vous aimez ça, les sulags, la puissance de la Soul Reaver. Pas le temps d'utiliser ce portable, ce portail du moins. Ce portail dessus, très fort. Ce n'est pas un téléphone portail. Oula, il était un peu capricieux. Je pensais vraiment que peut-être tu pouvais défoncer la grille. T'es fort, Zé. Mon frère Zéphon s'est installé à l'est, au-delà des ruines d'où tu as été précipité vers le monde du dessous. Tu le trouveras avec les siens, dans des cocons, dans une cathédrale dont les gardes humains ont été assassinés. Ouais. Là, on le savait dans... Regardez, si puis ça même pas. Il est très fort pour vous, je pense que c'est très haut au Brésil. Sur le matériel logique, vous juste ouvrir la porte, l'endroit où aller. Là, on va retourner pour la première fois où il y avait le portable. Le portail, on court avec les magnifiques chaussures en sabots de chèvre,
de rasier. Je ne sais pas si c'est de ce bout de chèvre, mais ça ressemble. Voilà, ça spectral encore. Dans le monde de la nuit. L'esprit, vous l'appelez comme vous voulez. Non, je pense que vous doutez de son droit à Ken. En métal, je pense que le serveur n'aurait pas du tout passé. Ouais. On arrive au prochain frère, Zéphon. Zéphon, vous l'appelez comme vous voulez. Ce sera un épisode plus grand, on s'en y sera. Voilà, encore une fois. On sera au moment de visiter la cathédrale. En plus, la moitié des. Vu que c'est loin, j'ai pas trouvé la prochaine téléporte avant le boss. Là, je vous reprendrai là où on s'était arrêté. Moi, que ça sera clair. Est-ce que vous aimez l'épée? La soulève. Moi je la trouve classe. Oui voilà. Alors, vous savez dans le menu, avant que vous cliquez. Ouh. Il veut me tirer dessus. Voilà. Dans le menu. Enfin dans le menu au bout d'un moment que vous attendez, bah, il y a une démo qui. Une petite vidéo qui se lance. Enfin c'est une démo, du moins. Et puis il y avait un passage. Enfin, ce sera un peu plus tard en fait. Évidemment. Brazil, se promenait dans un certain spectral et puis rencontrait celui-là. Il avait la Soul Reaver. Dans la Soul Reaver. Après, voilà. Il explorait un peu les eaux. Enfin, il était sur des poutres. Il battait du celui-là avec des boules, des boules d'énergie. Et quand j'ai vu le sous l'épée, j'ai dit, ouah putain, elle est classe. J'avais trop hâte quand je vais de mon côté de l'avoir. Quand je l'ai eu, putain. Puis aussi la première fois que j'ai affronté Ken, je disais, non, c'est pas possible, c'est pas la fin. On affronte déjà deux boss et puis c'est déjà la fin. Mais non. A plus, on va se garder. Bon, le défaut du jeu, voilà, ça veut dire, c'est que l'épée de Razel disparaît. Non, moi j'ai pas envie de me pointer sur la sauvegarde. Je m'en bats les couilles. Allez, sec, on est moins. J'espère que cet épisode de légende de Skull Soul Reaver vous plaît. Oui, que le nom comme du type, et c'est le nom aussi de l'épée, la Soul Reaver. Bon, ça c'est.